ce nom. Honneur et victoire lui reviennent. Que nos cœurs pour louer sa grandeur exultent de joie en sa présence. Que nos cœurs pour louer sa grandeur exulte de joie en sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette messe sur ses frères bien-aimés en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aie pitié pour nous, mon Dieu. Aie pitié pour nous, grand nous. Nos cœurs sont si beaux. Pitié pour nous. Que pitié pour nous, bon Dieu. Que pitié pour nous, grand être nous. Tant que sont si beaux, comme être. Que pitié pour nous. Parlez avec nous, grand-mère, pour ne marcher droit devant, pour ne pas vivre nos péchés. Aie pitié pour nous, bon Dieu. Aie pitié pour nous, grand-mère, nous. Nos cœurs sont si beaux, grand-mère. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Commencement de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 1er, les 9 premiers versets. Moi, Paul, serviteur de Dieu, je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant selon la foi
qui nous est commune. Moi qui suis apôtre de Jésus-Christ, chargé de conduire ceux que Dieu a choisis vers la foi et la connaissance de la vérité dans une religion vécue. Je m'appuie sur l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans le message qui m'a été confié par ordre de Dieu, notre Sauveur. Je te souhaite grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que, dans chaque ville, tu institues des anciens comme je te l'ai commandé. L'ancien doit être un homme sans reproche, époux d'une seule femme, père de famille, dont les enfants soient croyants et inattaquables pour leur conduite et leur obéissance. Il faut en effet que le responsable d'une communauté d'église soit un homme sans reproche. Puisqu'il est l'intendant de Dieu, il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni violent, ni avide de profit malhonnête. Il doit ouvrir sa maison à tous, être ami du bien raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole sûre et conforme à la doctrine pour être capable à la fois d'exhorter les autres en leur donnant un enseignement solide et de répondre aux opposants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 23. Après chaque strophe, nous chanterons ensemble. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché.
toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Louange à toi, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Louange à toi, mon Dieu. Gardez la parole de vie. Vous serez pour le monde des foyers de lumière. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Louange à toi, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Louange à toi, mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable qu'il arrive des scandales qui entraînent au péché, mais malheureux celui par qui ils arrivent. Si on lui attachait au cou une meule de mouton, et qu'on le précipite à la mer, ce serait mieux pour lui que d'entraîner au péché un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère a commis une faute contre toi, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet une faute contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne à toi en disant, « Je me repens, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi, il va te planter dans la mer. » Il vous obéirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous arrive, chers frères bien-aimés. Cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous réconforte, cette parole qui nous donne la joie au cœur. Et c'est toujours l'effet de la parole de Dieu. C'est parfois une âme à double tranchant, la blessée, mais la guérie. La dérangée, mais c'est un bon dérangement. Nous avons dit la parole grand maître après le blessé cœur, qui était le blessé pour mauvais sang qui dans cœur l'a coulé, les fins coulées tout ou a venu un monde nouveau. C'est ça, parole grand maître. Et parole ça, c'est un coup code de route pour tout chrétien. C'est un coup phare qui a éclairé chemin nous. Et c'est ça qui fait nous pas capable rester sans nous pas écouter parole ça, sans nous pas vivre de parole ça. Pour nous tant que prophète Jérémie qui dit, Seigneur, Seigneur, les me rencontrer parole là, m'en vie dévorer, m'en vie manger, parce que l'hypothé en pile la joie, c'est les mêmes qui fait la joie qui est moi. Parole grand mettre là pour matin, il parle nous de 3 grandes réalités. Premier, c'est éviter scandale. Deuxième, le pardon. Et troisième, la foi. Dans la proclamation, l'évangile, là, c'est 3 mots, 3 paroles qui attirent l'attention. Et c'est sous eux, nous prenons joindre ingrédients, éléments substantiels pour nous nommer. Et scandale pour nous pas fait, c'est là-haut qui pitié.
surtout les enfants. Et scandale. Qui ça qui ont scandale? Parfois, nous comprenons les scandales seulement par le fait que yon bagay rive li étonné nous. Nous pas t'attendre à ça, li fait nous pantant, li fait que nous bat, li fait nous saisir. Et surtout si ça arrive, c'est un monde que nous pas jamais attendre qui était capable de faire nous yon bagay comme ça, qui était capable de dire yon bagay comme ça. Et en moral, il y aurait ça circonstances de personne. Qui est-ce qui dit circonstances de lieu, qui bon les dit ou bien qui bon les fait, circonstances de temps, à qui les fait, à qui les sa fait. Jésus dit nous malheureux à un monde qui est scandalisé yon ti moun, yon petit. Li tapi bon pou li si yo ta mari yon gros moulin nan koul et puis yo ta lagé nan fond lan mer. Là, c'était forme de punition qui te gagné nan temps ça. Jounen jodi a, nous te capable di j'en tire ou bien touye moun facile, c'est ça ou ta fait. Mais Jésus li attire attention, non pour lui dire non attention pinga nous causer scandale kay si la yo qui considère yo comme petit ou bien petit. Parole la dit petit. Jésus dit nous et ben qui était ti moun yo vinn jwenn moi parce que royaume ciel là c'est pour si là qui semblait avec. Et Jésus dit nous si nous voulons aller dans ciel faut nous faire nous tant coup ti moun petit yo, c'est-à-dire à vivre avec une âme innocente. Apprendre aimer. Vivre tant que nous abandonner nous dans ceux-là qui se mettent nous en ce bon Dieu. Petit, ça va pas dire un petit monde petit seulement, mais tout ou ca scandaliser un grand monde, un monde qui gain en pile l'âge, dépendamment de ça au fait, de ça au dit. Et scandale là, il pas seulement été dans niveau étonnement. Selon mot grec scandalon, il veut dire piège, il veut dire obstacle, il veut dire empêchement. Et mais ou capable de mettre obstacle dans route yon moun, ou capable de mettre barrière, barricade dans route yon moun. Yon aveugle par exemple qui pa wè, un moun qui pa wè, ou mettre profig sur route là. Yon moun kap marche ou e yon profig a te ou pa retirer, ou so pi bien range l, ou bien ou même qui mettait ça son scandale parce que son piège ou mettait gade bagaille ou fait au monde. Eh ben ou mandé en pile temps, ou mandé temps pour repentir, ou mandé temps pour al convertir, pour al confesser, pour faire pénitence. Et c'est à ça Jésus a attiré attention au matin pinga ou c'est une occasion de chute pour frère là. Pinga ou c'est une occasion de chute pour cela. Au contraire, soyez pour lui chemin qui mène vers Dieu. Tournez canal par lui-même, la joine que content, la joine bon Dieu. Et Timounio nous appelé pour nous éduquer yo. Tournez modèle, exemple pour yo. Aidez yo grandir dans la foi. Aidez yo vivre dans remain, dans l'amour et dans pardon. Et deuxième parole là, c'est ça, le pardon. Si ton frère a commis une faute contre toi, même s'il vient 7 fois pendant la journée, lui demande pardon, pas refuser le pardon. Apparemment, ça paraît un peu comique pour un monde, blow, il fait une bonne zoclo, après ça il dit ah excusez-moi, je vais pas faire ça encore. Ou dit mais OK, je pardonne. Après ça il est passé, il râle les oreilles. Je dis, oh, excusez-moi, je ne vais pas faire ça encore. Eh bien, pardonne. Ce n'est pas comme ça, Jésus a dit. Il y a des gens qui prennent pardon dans le sens de la ridiculiser. Comme si je dis, ou son chrétien, lui-même n'est pas chrétien, parole l'a dit pardonner. Tout ça le faut, pardon, 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 pardon. Oui? Nègla li sorti à 11h du soir, la rentrée à 2h du matin, a ouvi nous dit, pas faire ça encore. Eh bien, ok, pardon, je ne vais pas faire ça encore. Il y a une première frappe, qu'il pardonne jamais fait.
Ou elle crier, l'acheter fleur, bagaine avec même machine à l'acheter. Ouais, pour qu'elle joigne pardon. Ou pardonner après ça elle continue. Est-ce que c'est ça Jésus dit? Non. Ouais, repenti. La repentance, c'est pas un bagaille ou fait de manière passagère ou bien encore ou fait en jouette. Pour qu'il repente, il faut qu'il y ait le déchirement du cœur. Ouais, le regret profond, le profond regret, comme nous le disons. Et que on va faire effort pour nous prendre une ferme résolution pour ça pas recommencer. C'est ça Jésus dit nous. Jésus m'a demandé nous pour nous pas jamais suspendre pardonner. Pour nous pas jamais suspendre accueillir frère nous, sœur nous, le lui fait nous tort, le nous fait le lui fait nous ça qui mal. Jésus m'a demandé nous pour nous vivre eh ben toujours dans l'ambiance ça, dans cette ambiance d'ouverture du cœur, n'a pas ouvrir cœur nous, n'a pas ouvrir la vie nous, n'a pas ouvrir et offrir à l'autre là toute qualité pardon, tout autant nous capable et faut nous capable parce que parole là il exige nous ça. Faut avec ce mieux. Si Jésus pas t'a plaidé pardonner ou, est-ce que t'a là toujours? Si Jésus li pa te fait manger, li pa te pardonner nous de faute nous yo. Qui côté nous taille journée jodi? Qui ça nous t'a fait? Et nous songer le monsieur ça te prend dame nan qui te barré dans fait adultère, yo te mené devant Jésus. Et Jésus te dit yo, si là qui sans péché a, qui ça vous le fait? Et qui ça que t'est passé? Ouais, yo te allé grain par grain commencer sur ça qui pi ancien yo. Commencer sur ça pi ancien yo. Bon, il paraît logique autant qu'au pi grand ou ka fait plus péché. Ou ka, il pas forcément ça non. Mais n'entend ça que laisser saleté. Ouais, yo allé grain par grain commencer sur ça qui pi ancien yo parce que yo reconnaît que si yo pas pardonner, yo même tout, yo pas là. On nous apprend à pardonner. Pardonner frère nous, sœur nous, zami, papa, maman, mari, madame, consoeur, confrère là. Tes amis, l'elle fait péché, l'elle fait tort. Parce que mesure ou utiliser pour l'autre là, c'est même mesure qu'a utiliser pour. Et c'est qui est-ce qui m'a dit nous ça? C'est Jésus m'a dit nous ça pour nous pardonner. Deuxième, troisième et dernière parole là, c'est la foi. Devant la réalité ça yo, ça Jésus dit disciples yo, question pour éviter scandale, question pour pardonner autant de fois dans journée hein, monsieur yo dit tête yo un seul bagage, yo dit mes amis, côté me ka font bagage comme ça. Et yo pas qui ça pour yo dit Jésus, pour yo faire action ça yo, faut que yo gagne la foi. Faut que yo gagne la foi qui ferme solide, faut que yo gagne gros la foi. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, Seigneur, augmente en nous la foi. Il demandait Jésus pour Jésus augmenter la foi pour être capable de pardonner. Pour être capable de pardonner un obstacle pour frère. Pour pas rendre frère, soeur, la vie difficile. Pour être capable de chemin, cœur content, chemin lumière. Pour être capable, si là, capoter la paix, pas zigzani. Pour être capable des artisans de paix. Il demandait Jésus pour Jésus augmenter la foi. Il va demander Jésus pour Jésus, bah, la foi, non? Il va demander augmenter, si peu soit-il, qu'il te, qui au te gagne. Il va demander Jésus, augmente. Seigneur, augmente en nous la foi. Et Jésus, qui dit, yo, si la foi nous te gros tant qu'on tigre une montagne, nous t'a dit tête, mon nom, mon t'a déplacé pour l'aller de l'autre côté, il t'a allé. Mais, il fait demander ça à Jésus. Et là, c'est une forme de prière. Seigneur, augmente en nous la foi. Allons dire ça ensemble. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Ô Seigneur, augmente en nous la foi. C'est pour nous gagner la foi. Et si nous gagnons la foi, sommes avec frère Mio, tant que yon grand saint dans l'église, nous va réaliser des choses avec bon Dieu extraordinaire. Et que nous les papes sauter. Parce que nous connaissons maintenant là. Nous pas besoin crier parce que sauveur nous est là. Nous pas besoin ébranler parce que maintenant est là. Nous pas besoin à crier toute journée à pleurnicher à plaindre parce que Jésus nous est là. C'est pour la foi nous.
nous avons la foi dans lui qui est inébranlable. Nous avons la foi qui est indéfectible. Nous avons la foi en un pas capable de saccager. Et c'est avec la foi ça, frère avec ce mieux, n'a pas aimé, n'a vivre avec frère nous, avec ce nous. N'a pas soin si là qui ici qui considéré comme les petits. N'a pas soin timonio. C'est avec la foi ça qui fait que le yon frère yon sœur vienne côté nous, n'a pas gain capacité, n'a pas gain potentialité, n'a pas fait dépassement pour nous capable pardonner parce que nous connaît yon cœur qui pardonné, c'est un cœur qui libéré. Nous connaît yon cœur qui a vive. Et ben pendant l'a tenir compte de frère là, de seul là qui bon côté là, c'est un cœur qui capable battre au rythme de la joie. C'est un cœur qui pas angoissé, c'est un cœur qui pas stressé, c'est un cœur qui pas gain aucun aigre la donne parce que les libérer. En nous demandant bon Dieu chaque jour pour augmenter la foi nous et comme ça nous va vivre tant que Jean Livlel, tant que petit lit, nous va vivre tant que Jean Livlel, tant que monde qui va servir en vérité, nous va vivre tant que Jean Livlel, tant que monde qui va chercher vivre avec bon Dieu. Chercher vivre avec bon Dieu là-bas non, ça nous besoin. C'est pour le bénir nous, c'est pour le fortifier nous, lui même qui c'est bon Dieu papa, petit là avec l'Esprit Saint. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts pour qui on a recommandé cette messe. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur chacun, sur chacune de nous qui participe à cette célébration eucharistique. Sur nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse, sur nos paroissiens, nos paroissiennes. Sur nos frères et sœurs qui se recommandent à nos humbles prières, sur les enfants, sur les vieillards, sur les mourants, nous implorons ta bénédiction sur tous ceux-là qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur nos frères et sœurs amis qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Nous implorons ta grâce sur Alta Gracia Marceau, Anaël Matalia Gervais, Dominique Jean, Dr. Prince Roosevelt, Edwin Bien-Aimé, Emile Senatus, Gianni Morlon Anosier, Gordon Gaston, Grisène Lacroix, Guylaine Bélisère Jean-Pierre, Eléisara Mérilan, Marie-Josie Dupoint Salomon, Marie-Yveline Raymond, Marie-Saint-Albor, Midji Amazon, Madame Marcina Kennel, Mogelia Bertrand, Rachel Jonathan Lodesca, Renise Toussaint, Rose Karine Balthazar, Roselaine Soulage, Sargine Louis-Jean, Wilson Amédée, Marie-Méliane Isidore, Serge Aristil, Sarah-Lys Labo. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde sur toute Haïti et sur chaque Haïtien. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cher Haïti. Soutenu par ta miséricorde,
Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, ou même mon ton bon Dieu, qui ou était péché sauteille, t'en prie, pitié pour nous. Jésus-Christ, ou même mon ton bon Dieu, qui ou était péché. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
tu pardonnes nous, il y a des accords. En nous supporte et prochain nous, il y a des accords. Pour ça, mon Dieu va supporter nous tous, il y a des accords. Dans même pays à manger, dans même divin on voit, tout ça bénit. Papa, mon Dieu.
prions encore le Seigneur. Fortifié par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur fit son message à Marie. Et elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur. Qui me soit faite selon votre parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions, répands, Seigneur, ta grâce en nos âmes. Nous avons connu, par le message de l'ange, l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier, protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église là. Bonne fête à Sarah Lys Labo, à Serge Aristide, à Marie Mylène Isidore, à Wilson Amédée, Sargine Louis-Jean, Roselaine Solange, Rose Karine Balthazar, Renise Toussaint, Rachel Jonathan Lodescar, Mojilia Bertrand, Madame Massena Kennel, Medji Amazon, Marie Saint-Albor, Marie-Yveline Raymond, Marie-Josée Dipoint Salomon, Élise Sarah Mériland, Guirlaine Bélisère Jean-Pierre. Bonne fête à Grisène Lacroix, à Gordon Gaston, à Gianni Marlon Anosier, à Émile Sénatus, à Edwin Bien-Aimé, au docteur Prince Roosevelt, à Dominique Jean. Bonne fête à Anaël Matalia Gervais et à Altagracia Marceau. À tout le monde, je dis à célébrer un événement heureux, un bon moment, un moment inoubliable. Il n'y a pas de faire nous crier. Non, non, nous ne pouvons pas fêter ça qui fait nous crier. Qui est content, nous célébrer, nous dire bonne fête. C'est pour grâce, bénédiction, faveur, bon Dieu, continuer à tomber dans le cœur. Chaque jour doit être fête pour nous. Chaque jour doit être jour de grâce, jour de bénédiction, jour de louange pour nous. Et c'est ça, c'est vu ça, c'est souhait ça, moi fait pour nous. Pendant l'absence, je vive dans la foi, dans le pardon et surtout pour nous tourner canal la grâce, chemin la grâce pour frère avec ce nous. On souhaite nous passer une bonne journée, bonne semaine, qu'un BFM dans bon Dieu, par la guerre. Merci mon Père. Père. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Moi, flé, la guille, tout bagarre.